Allez, bonjour à tous, avec un direct depuis la Maurienne qui est en Savoie, avec ici l'arc qui coule, regardez à quoi ça ressemble un petit peu, c'est très impressionnant. Ce torrent qui descend de la haute Maurienne vanoise, hein, qui passe à Bonneval-sur-Arc, baissant Saint-Michel-de-Maurienne, Saint-Jean-de-Maurienne. Nous sommes à la chambre en direct, on va se mettre sur le pont ici pour aller voir ce qui se passe maintenant en direct depuis la chambre où nous sommes ici sur cette route. Avec ce torrent qui est vraiment impressionnant, hein, vous le voyez ici, qui est noir. Hein. On sait que la fonte des neiges et les pluies de la nuit ont fait naître justement cet arc qui est vraiment gonflé. On sait que certaines routes ont été coupées au niveau de Saint-Jean de Maurienne, notamment. Regardez les blocs qui passent ici. Voilà ici l'arc qui vient depuis évidemment la haute Maurienne vanoise, Bonneval-sur-Arc, baissant. Qui passe ensuite du côté de Termignon, Bramant, etc. Voilà à quoi ça ressemble ici en direct. Si vous nous retrouvez depuis la Maurienne, prudence sur les pays de Savoie. La Savoie, le département qui est classé en vigilance orange, on va le rappeler encore une fois. Vous voyez, il y a des blocs ici, c'est carrément des morceaux de bois qui flottent ici. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent. Il est 8h43, la température est extrêmement douce sur la Maurienne, mais regardez l'arc, la Savoie classée vigilance orange. Beaucoup d'arbres qui sont tombés sur les routes en pays de Savoie ce matin. Prudence si vous prenez la route. Regardez un petit peu cet arc qui descend de la Maurienne. La Maurienne qui est en... L'arc est en crue carrément. En raison, surtout, on va le rappeler, de la fonte des neiges et des pluies de la nuit. Voyez un petit peu à quoi ça ressemble ici. On rappelle la grande prudence hein, sur ce département de la Savoie. Bonjour à Maury, bonjour à Stéphane. Toutes celles et ceux qui nous regardent. Vous êtes très nombreux aussi ce matin en direct. Voilà, on est en direct ici, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, essayez de pas faire attention quand même. Voilà l'arc en Maurienne, et je peux vous dire que c'est vraiment impressionnant ce matin. Hier soir déjà, cet arc était déjà en crue, on va le rappeler. Un bonjour de Gap, Franck, bonjour, qui arrive en Savoie lundi à Coise, à côté de Saint-Pierre d'Albigny. Nous sommes ici à la chambre, vous voyez la Maurienne, le temps, regardez le ciel est presque bleu ici ce matin. Les montagnes sont enneigées encore une fois, pas mal de monde sur la route ici. Et encore une fois, grande prudence, on le rappelle, à Saint-Jean-de-Maurienne, on a des routes qui ont été coupées. Ne vous aventurez surtout pas sur les routes qui peuvent être coupées, parce que là, ce serait extrêmement dangereux. Il y a derrière moi ce qui se passe là-bas. Voilà l'arc qui coule, je vais essayer de traverser. On va traverser toujours cette Maurienne. Regardez, l'arc en furie ce matin. Voilà, regardez quoi ça. C'est vraiment impressionnant, regardez. Alors là, voilà, je vous montre exactement ce qu'il en est ici en direct, si vous nous retrouvez. Avec cette couleur noire, c'est de la terre hein, qui est transportée dans cet arc. On rappelle que certaines routes sont coupées du côté de Saint-Jean-de-Maurienne. Bonjour Françoise de la Saône-et-Loire, bonjour Catherine, bonjour Jean-Marc, bonjour à celles qui nous regardent. Vous voyez ce torrent qui sent la terre, qui sent la terre. C'est vraiment très très impressionnant ce matin sur ce direct depuis la chambre. Nous sommes ici à deux pas du col du Glandon, du col de la Madeleine, pas loin d'ici Saint-Jean. François Longchamp, Montémont, nous serons tout à l'heure pour d'autres directs. Bruno nous dit que dans le Val d'Arly, c'est pareil, il a beaucoup plu cette nuit. Ce matin, c'est vraiment très, très impressionnant. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble en direct, si vous nous retrouvez. Bonjour Ludovic, depuis le Nord-Isère, bonjour de la Côte d'Opale, prudence à toutes et à tous. C'est l'arc ce matin, c'est la Maurienne. Et c'est une vallée qui est effectivement touchée par ces énormes chutes de pluie de la nuit. On entend craquer ici. On sent la terre ici sur ce torrent qui descend de la haute Maurienne vanoise. On le rappelle, on est dans le département de la Savoie, dans les Alpes du Nord. La température est extrêmement douce. Il fait à peu près 18 degrés. On sait que certaines routes ont été coupées. On sait aussi qu'il faut être extrêmement prudent sur les routes dans l'ensemble des pays de Savoie. La Savoie qui est classée en vigilance orange ce matin encore une fois. Énorme prudence si vous circulez ce matin. Sur les routes avec des arbres qui ont été couchés par la tempête de la nuit. Bonjour Chris depuis Provins, merci, bonjour de la Haute-Tarentaise. Hein. Salut Marc, je suis au sommet du glacier du Pissaya avec quelques éboulements de pierre sur le col de l'Isran, la DDE va intervenir. Merci Marc Garcia, notre correspondant permanent de la place du village et qui est au glacier de Pissaya, donc c'est au col de l'Isran qui devait ouvrir aujourd'hui. Alors on ne sait pas encore si le col va ouvrir aujourd'hui. Combien de millimètres tombés cette nuit? Alors, on n'a pas les informations ce matin. C'est surtout hier soir qu'il a plu, et cette nuit aussi, évidemment, avec beaucoup de pluie. Et je peux vous dire que c'est vraiment impressionnant.
Il y a Robert, désolé de ne pas être avec vous à Montémont. Bonne journée. Robert, oui, Robert. Bon, t'en verras bientôt, Robert, probablement, rapidement. Bien le bonjour à Marc aussi. Voilà, on te salue entre eux. C'est l'Arc ici, ce torrent de la Maurienne ici, qui passe évidemment à Bonneval-sur-Arc, qui porte le même nom évidemment, et qui est ce matin en crue. Vous le voyez en direct si vous nous retrouvez. Il est 8h47. On se retrouvera tout à l'heure, nous, du côté de Montémont, pour le premier tournage de la place du village avec l'équipe de Maurienne TV. On n'en dit pas plus. On sera avec vous en direct. Vous êtes très nombreux nous aussi ce matin. Encore une fois, grande prudence si vous êtes sur la route en Savoie. Au bord de l'Arc, certaines routes ont été coupées. Nous sommes exactement à la chambre qui est ici en Maurienne. Le ciel est presque bleu. Regardez comme c'est beau là-haut, c'est magnifique. Les montagnes sont encore toutes blanches. C'est de la neige qui fond en altitude, plus des pluies. Et ça sent la terre, figurez-vous que ça sent la terre. Bonjour, du Touvet avec un orage cette nuit. Le soleil semble revenir ce matin. Salut à Maury, belle journée à toi. Merci beaucoup en tout cas. Bonjour de Hassi Ben Meki, voilà, avec beaucoup de chaleur sur l'Algérie aussi, avec beaucoup on a eu beaucoup de sable aussi et du sirocco. Regardez ici à quoi ça ressemble, c'est vraiment très 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 impressionnant ce matin. Voilà la fonte des neiges, ce sont des grosses crues, nous dit Marc Garcia, il a complètement raison de le signaler. Bonjour du Haut-Beaujolais, pas de fonte des neiges, nos petites rivières sont bien gonflées, Gérard et Josiane dans le Haut-Beaujolais. Vous voyez, c'est un petit peu, nous sommes l'été hein, depuis hier soir 22h. Mon jumeau vous a fait vivre le passage à l'été hier soir. Nous sommes en été. Eh bien, on commence avec cette pluie. Et Noël nous salue de la pluie qui ardit encore une fois. La pluie qui a été encore assez importante ces derniers jours et qui a fait pas mal de dégâts avec les orages aussi. La grêle, on l'a vu. Vous voyez, l'Arc ici en direct, la Maurienne, on va vous laisser. On va se retrouver tout à l'heure du côté de Montémont pour le premier tournage de la place du village diffusion en septembre sur le niveau national en France, partout. Sur la chaîne de Maurienne TV, où nous sommes d'ailleurs ce matin, regardez à quoi ça ressemble. Encore une fois, prudence, si vous prenez la route du côté de la Maurienne, l'Arc, c'est la rivière à suivre en France aujourd'hui. Elle va continuer à être gonflée en raison de la fonte des neiges, on le rappelle encore une fois. C'est vraiment impressionnant. On va saluer tous ceux qui sont touchés par ces intempéries, regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Et ça sent la terre, et ça, on entend des cailloux aussi, qui sont en train de rouler dans l'Arc ici. Belle journée à vous tous, beaucoup de pluie en Suisse, nous dit-on dans le Val d'Airain. Bonjour de Matou, Renaud, merci, j'ai vu la voiture hier soir, c'était mon jumeau, il est du côté de la Bourgogne, moi je suis en Maurienne. On se retrouve tout à l'heure pour les premiers tournages pour Maurienne TV de la place du village, comme avant, en version télé, 26 minutes, dès le mois de septembre. Belle journée à toutes et à tous et à très bientôt, merci encore, merci infiniment.